Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à tous. Voilà donc nouvelle vidéo qui concerne donc le Boeing 747 de chez Salty Simulation que vous pouvez télécharger directement depuis l'installeur en fait de Fly-by-Wire. Donc voilà, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve que cet avion est pour moi assez sympa. Donc je suis sur l'aéroport de Fuerteventura. Voilà, donc on va faire un petit peu comme d'habitude, hein. Donc je vais essayer de démarrer l'avion un petit peu, voilà, un petit peu à ma façon, et puis ben, ensuite on fera un décollage jusqu'à l'altitude de croisière. Voilà. Donc ben, on va pouvoir monter à bord, on y était déjà tout à l'heure. Donc moi ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que j'ai donc venu sur l'aéroport et j'ai engagé la batterie hein, qui est ici. Donc vous avez juste à soulever le capot, vous appuyez sur la batterie on, vous vous mettez en stand-by auto, stand-by power sur automatique, et puis là ben, vous avez démarré votre batterie. Et ensuite ben, j'ai enclenché l'alimentation externe de chaque côté pour avoir l'alimentation externe le temps de, voilà, de rentrer tous les paramètres de l'avion. Donc pour moi ici ce que je peux déjà commencer par faire, bon, on va déjà enlever la visibilité du manche, c'est un petit peu moins, voilà, mais bon, au moins ça nous embête un peu moins. Et puis on peut venir déjà sur le FMC ici. Donc évidemment hein, pour le moment on n'a pas les IRS d'alignés hein. Moi je viens en fait là, ici vous avez les identifiants. Si quand vous allez sur position init, voilà, ici vous allez pouvoir en fait rentrer les, on va dire, la position de l'avion actuel. Donc en gros le truc c'est qu'il faudrait déjà aligner les IRS qui sont là-haut. Alors hop, donc on se met sur nav, voilà, ça c'est fait. Une fois qu'on en est là, ben faut qu'on attende un petit peu, puisque le temps que ce soit aligné, il faut, voilà, c'est marqué 6 minutes le temps que en fait les IRS soient alignés. En attendant, ce qu'on peut renseigner dans la position init, c'est ici donc la position. Donc il suffit de la position actuelle de l'avion, elle est là. Donc, il suffit de copier cette ligne. Moi je la copie, hein. Vous appuyez sur la touche là, puis vous la collez là. Voilà. Puis là ça vous donne la... Donc là la position GPS, et puis là pour l'alignement des IRS, cette IRS position. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je rentre la référence de l'aéroport. Donc pour l'instant, actuellement, je suis sur l'aéroport de GCFV. Alors, GCFV. Toc. Non, c'est ici. Voilà. Et puis, le numéro de porte que j'ai choisi, c'est la porte 25. Donc, je suis sur la porte 25. Je ne sais pas si on le voit, si c'est marqué ici. Moi, simplement, dans le menu du jeu, j'ai choisi de venir sur cette porte. Bon, en tout cas, je le note. Voilà. Ok. Ici, c'est pareil. Hein, donc, ça va être le cap hein, dans lequel l'avion est positionné. On aura le cap quand on aura les IRS d'aligner. Alors donc il faut qu'on attende 5 minutes. On attend 5 minutes. En attendant, ben, on peut éventuellement ben, mettre un petit peu de lumière. Hein. Donc, vous avez des lumières qui sont là. Bon, je rentre un petit peu jusqu'au bout. Là, ici on est déjà sur 100%. Là aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Moi je mets, voilà, je mets un petit peu tout à 100% pour avoir un éclairage maximum. On peut régler aussi du côté droite. C'est bon.
On peut mettre encore à 100%, là aussi. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on a des... Ah, faut un petit peu, voilà, faut un petit peu chercher hein, pour les lumières. Il y en a plusieurs endroits. Je suis en train un petit peu de voir si j'ai quelque chose. Je crois que j'ai quelque chose là-dessous. Il y a des petits boutons qui sont là en bas. Voilà, ça est aussi là. Toc. Voilà. Je crois que ça, on peut pas toucher. Donc là, on est pas mal. Ici, je crois qu'il n'y a rien, en tout cas, qu'on peut interagir, en tout cas, au niveau des lumières. Non. Puis là-haut, vous en avez ici. Hop. Là aussi. Voilà, puis je pense que là, on a un petit peu fait, je pense, le tour des lampes qu'il y avait un petit peu dans cet avion. On peut voir, hein, voilà. Donc toujours pareil, hein, des choses qu'on peut cliquer, des choses qu'on peut pas interagir. Mais moi, j'ai trouvé que, en tout cas, cet avion m'a assez plu, en fait. C'est vrai que c'est un bel engin, mais j'ai trouvé assez sympa, en tout cas, utilisé, en tout cas pour ma part, en tant que débutant. Donc sympa à utiliser, et puis aussi, en même temps, comment dire, ouais, enfin, voilà, donc, en tout cas, moi, j'aime assez bien. Donc, voilà un petit peu, on a pas mal de, pas mal d'avions, hein, sur cet aéroport de Fuerteventura, hein, donc aux îles Canaries. On va décoller de là. Hein. Donc moi j'ai programmé un vol à destination de Nantes. Mais en tout cas, voilà, on fera déjà. Si on arrive déjà à l'altitude de croisière, je trouve que ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà une manière de voir. Donc ce qu'on peut regarder aussi au niveau du tableau de bord ici, c'est que en fait donc moi hein, donc à la base hein, c'est ce qu'on a dit, j'ai allumé là, enfin là les batteries, mis donc ici sur auto, j'ai mis nav, puis vous avez là en bas j'ai pas activé la PU, mais là il y a la purge du gap qui est activée à la base, donc non, logiquement il n'y a pas, elle serait pas à être activée maintenant. Moi je la mets en off parce que ce sera à faire plus tard, et puis là on peut déjà allumer les feux de navigation, voilà, on peut déjà activer ça. Alors là c'est juste voilà, un petit peu la radio qui cause. Ce que je peux moi déjà rentrer ici, c'est au niveau du pilotage automatique. C'est vrai que donc nous on aura une altitude de croisière qui sera de 36 000 pieds, donc moi je veux déjà la rentrer là. Je vais me mettre sur 36 000. Hop, je vais un peu vite. Voilà, comme ça, ça c'est rentré. On verra après comment on règle le pilotage automatique. Je regarde, donc je devrais être bientôt aligné, hein, on voit 0 minute, donc ça devrait bientôt arriver. J'attends quand même que ça se termine. Donc sinon, bah, pas de tablette hein, non plus, on voit qu'on a l'impression qu'on pourrait peut-être allumer quelque chose ici, mais ça on peut pas. Voilà. Donc en fait, c'est aussi un avion qui est intéressant parce que vous pouvez donc créer des plans de vol sur SimBrief. Puis vous allez pouvoir l'importer en fait sur votre... voilà votre plan de vol dans cet avion, donc je trouve que c'est aussi sympa, donc c'est à faire. Donc là on voit qu'on est, ça y est, hein, on a les IRS alignés, on est sur 275, donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir rentrer là. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, l'idée maintenant ce sera
de déterminer justement le plan de vol. Donc là, vous allez ici sur route. Donc, en ayant déjà ou préalablement rempli hein, donc, votre... bon, je vous ai pas fait voir c'était où, mais enfin, c'est pas le but de cette vidéo, mais effectivement, donc, à un moment donné, dans le FNC, vous avez un menu qui s'appelle Salty Simulation, je crois, puis dedans, vous avez un onglet SimBrief, puis là, vous allez pouvoir rentrer, en fait, votre identifiant à 6 chiffres, de manière à, comme ça, une fois que vous l'avez rentré, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de télécharger, en fait, le dernier plan de vol SimBrief que vous avez, en fait, généré directement sur le site. Et puis une fois que vous l'avez généré, vous appuyez sur Send ici. Voilà, Load. Moi je fais un petit coup sur Activate, Execute. Voilà, et là j'ai effectivement mon plan de vol SimBrief, donc de GCFV à LFRS, qui a été chargé. Normalement, je crois que dans le menu, attendez, on va, vous avez un endroit, voilà, menu, je crois que c'est dans Salty, voilà, vous avez ici, hein, voilà, SimBrief, c'est là que vous rentrez, en fait, votre identifiant. Voilà, donc pour effacer aussi les lignes qui sont là en bas, vous appuyez sur le Clear, des fois, c'est pas toujours évident, il faut juste un petit peu... Voilà. Donc je reviens sur route. Non, je ne sais pas pourquoi il m'a mis exécuté. Ouais, c'est un peu bizarre. J'ai une petite vue sur exécute. Bon, faisons comme ça. Alors, une fois que c'est fait, ben, ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre route qui est rentrée là-dedans. Qu'on peut voir. Avec les next page, hein. Voilà. Par contre, vous n'avez pas évidemment hein, les six des stars, hein, donc ça faudra rentrer de manière ça manuelle. Donc, pour pouvoir rentrer ça, bah, il faut venir dans départ arrivée. Ici, vous avez le départ. Donc moi, dans mon plan de vol, je crois que je démarre de la piste 1. Je suis en train de vérifier. Alors, ma route que j'ai définie, voilà, donc moi je démarre de la piste 1. Et puis, j'ai, alors en faisant next page aussi, je vais vérifier. Voilà, je crois que ma seed c'est vast 9Q qui est là, je vais juste vérifier. Voilà, c'est ça. Donc moi, ma seed elle est là. Voilà, et ici, c'est la piste sur laquelle je vais décoller. Execute. Voilà, donc ça c'est fait. Après, vous venez sur Index. Arriver. Donc moi, je vais programmer une LS03Y. Et sur la star EPIX1C. Voilà. Execute. Ok. Donc maintenant, moi, j'ai ma route qui est définie. On voit hein, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, pour vérifier votre plan de vol, parce que ben, vous pouviez avoir éventuellement des discontinuités, des choses qui sont pas très cohérentes, il faut venir dans l'ex. Et ici, vous allez pouvoir vous mettre sur plan. Puis c'est là que vous allez commencer à voir un petit peu ce que ça donne. Donc on voit moi que effectivement, hein, il démarre directement depuis la piste là, puis il va aller directement là. Donc moi, je vais décoller. Et puis bah, en fait, en gros, il faudra que je récupère directement en fait à droite. Ma route en fait. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas très cohérent, mais je veux dire, à la limite, c'est faisable. Une fois décollé,
Voilà, c'est pas très compliqué de revenir à droite pour après bah, récupérer la route. On peut le faire comme ça. Voilà, moi c'est vrai que c'est toujours, c'est ce que je, souvent ce que je dis dans mes vidéos. Je cherche pas spécialement à faire quelque chose d'hyper réaliste, mais voilà, de faire quelque chose un peu entre deux pour des débutants comme moi, pour arriver quand même à faire un petit peu des, voilà, des plans de vol qui sont, voilà, qui sont quand même intéressants, puis pouvoir au moins faire des vols et puis de s'amuser quand même sur le jeu, même si on n'a aucune connaissance en aéronautique, même si on n'est pas du tout voilà, mais au moins voilà, c'est le principal, c'est de s'amuser. Puis après bon, moi j'essaie de faire quelque chose un peu entre deux, entre quelque chose de réaliste mais en même temps pas trop, hein, voilà, sans trop se prendre la tête, pour arriver quand même à faire quelque chose de sympa. Donc moi je vais continuer voir un petit peu au niveau de mon plan de vol. Donc en fait sur legs, une fois que vous avez appuyé, on est à ce niveau là hein. Donc après sur, quand vous faites step, ça va passer toujours au point suivant, ça va vous donner un petit peu votre route, voir si c'est cohérent. Jusqu'à maintenant tout se passe bien, on voit que c'est cohérent. Mardi et Pixo. Ah, là, il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il est arrivé là, on voit plus rien. Donc je pense que si je fais encore un petit step, on voit qu'il y a une discontinuité. Donc lui, entre Normi qui est là et puis Epixo ici, il trouve rien. Alors moi, ce que je fais, moi, je fais un petit delete de la discontinuité. J'appuie sur delete. Puis je viens ici et j'enlève ma discontinuité. Et lui, en fait, voilà, en pointillé, il propose une route qui a l'air pour moi bien, puisque de Epixo il continue là, donc je fais execute. Voilà, puis là ça a relié, je pense, le point Epixo qui était là à Normi. On continue, voilà, on voit, hein, ce qui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, puis apparemment là on n'est pas trop mal, on n'a pas eu de soucis. Bon, après les petits trucs en bleu pointillé, c'est pour. L'aéroport alternatif qui est programmé dans SimBrief. Donc on n'a pas forcément besoin. On voit ici les altitudes hein, aussi qui sont programmées. Donc des fois c'est pas mal aussi de vérifier un petit peu si les altitudes sont cohérentes. Si on revient dans l'Ex, voilà, donc on voit hein, donc là 7000, 12000. Donc je pense que là on est plutôt pas mal. Ouais, on est plutôt pas mal. Donc pour moi, mon plan de vol ici, je le trouve assez bien. Voilà, pour moi, il me plaît. De ce côté-là, on va laisser comme ça. Donc une fois que ça c'est, moi que j'ai rentré mon plan de vol, on peut aussi aller sur. Alors je crois que c'est dans route. Vous avez les perf init qui sont là. Voilà, donc là, Perfinit, vous avez différentes choses à renseigner. Donc, moi, je prends, je fais un petit send, en fait, ce que vous avez ici. Puis, en fait, quand vous faites un send ici, ça va, en gros, importer des choses qui sont de SimBrief, et notamment aussi le fuel que vous avez déjà réglé dans le menu du jeu. Vous savez, vous avez normalement un endroit où vous venez ici, puis je crois que c'est fuel. C'est comme ça que ça se règle. Alors, moi normalement, enfin moi j'ai déporté, voilà, je l'ai déporté ici hein, pour régler le fuel en fait par rapport à cette fenêtre. Donc moi je sais que je le mets là. Et puis ça va en fait, ça va le charger. Donc moi je fais un petit send ici. Voilà. Ça charge tout, donc j'ai fait le plan en fait en gros. Donc mon altitude de croisière, le cost index, tout est renseigné par rapport donc aux données SimBrief et aux données aussi que vous avez rentrées du fuel. Je fais accept. Voilà, puis comme ça, ça a pris toutes les données. Ici, moi je laisse comme ça. Donc on a en fait la température. On peut éventuellement aussi essayer de décoller avec éventuellement une
enfin, en préservant les moteurs, tout ça, mais moi je la voilà, je laisse comme ça. Puis quand je viens sur Takeoff, ici, ben, en fait, voilà, si vous indiquez à quel degré vous voulez décoller pour les flaps, donc moi je mets 10, c'est un cran de volet. Voilà, une fois que ça c'est fait, je me mets, donc là, ben, vous avez juste appuyé sur V1, VR et V2, et ça vous donne les vitesses. De décollage. Puis ce que vous allez renseigner au niveau du décollage pour bout de piste, c'est la vitesse que vous avez ici, V2, que vous allez mettre 196. Vous allez renseigner ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, moi je mets toujours voilà, l'automanette sur ON. Puisque c'est aussi l'automanette qui va permettre en fait de contrôler, c'est l'avion va pouvoir contrôler la vitesse en fait en mettant l'automanette. Donc voilà un peu en tout cas ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes à voir? C'est la VNAV. Ce qui peut être intéressant là, c'est de rentrer la vitesse maximale que vous allez avoir en dessous de 10 000 pieds par exemple. Donc, par exemple, si vous voulez pas dépasser le 250 nœuds en dessous de 10 000, bah, il suffit de le rajouter là. Voilà. Et puis voilà, moi je suis pas mal. Autrement, ben vous verrez aussi, bon ben ça on peut juste le regarder maintenant. C'est à ce niveau là. Il y aura des choses à rentrer, mais ce sera plus à l'atterrissage. Je pourrais éventuellement vous expliquer quand on sera en phase de montée. D'ailleurs, on le voit déjà, hein, vous avez normalement ici des fréquences ILS que vous pouvez rentrer, le degré CRS, enfin plusieurs choses que vous pouvez rentrer ici aussi. Ce sera par rapport à l'arrivée. Hein, pour le moment, on ne s'occupe pas de ça à ce niveau-là. Voilà, donc moi, pour moi, je suis pas mal. J'ai rentré en tout cas mon plan de vol. Voilà, qu'on peut encore vérifier. On voit d'ailleurs hein, que les altitudes ici, hein, avec la vitesse, sont rentrées aussi hein, par rapport aux altitudes de croisière. Hein. Ok. Voilà. Pour moi, rien de cohérent en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, en tout cas, mon plan de vol est rentré. On va dire les vitesses au niveau pour les décollages, c'est rentré. D'ailleurs, c'est noté. Hein, on voit ici 196. L'altitude de croisière, elle est ici. Moi, éventuellement, j'appuie sur la touche B pour avoir le QNH hein, qui sera ici. Et puis moi je peux démarrer aussi sur Sim Toolkit Pro éventuellement commencer le voilà, je peux faire un petit fly now comme ça, ça me permet un petit peu aussi d'avoir une petite vue sur Sim Toolkit Pro pour voir un petit peu j'en suis où. Voilà, enfin c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien le faire comme ça, ça me permet de voir où j'en suis. Voilà, donc pour moi, on est pas mal. Ce qu'on peut faire, on va considérer que les passagers sont rentrés. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez aussi hein, utiliser les portes. Hein, donc avec les services au sol, hein, vous pouvez accrocher aussi là, ici, la rampe. Vous pouvez demander, enfin voilà, il y a plusieurs choses aussi qui sont intéressantes à faire, hein, comme d'habitude. Hein. Et puis du coup, ici, ben voilà, vous pouvez demander ici aux passagers d'attacher leur ceinture de sécurité. Voilà, donc pour moi, je suis pas mal. On va démarrer, je pense maintenant qu'il est temps de démarrer l'APU. Si j'ai rien oublié, je suis en train justement de réfléchir si pour le moment, à ce stade-là, j'ai rien oublié. Au niveau des fréquences, moi, j'ai mis donc comme dans les options, hein, c'est réglé automatiquement. On dira que c'est mon copilote qui gère les fréquences. Je l'ai mis comme ça.
Le transpondeur également hein, est déjà aussi réglé. Il y aura juste à un moment donné, avant de décoller, il faudra se mettre en TARA. Sinon, c'est rentré. Donc ça, pour moi, en tout cas, moi, dans mes options, je ne m'en occupe pas. Je laisse, en fait, entre guillemets, mon copilote gérer ça. Et donc, moi, je vais pouvoir démarrer l'APU. Alors... L'APU, c'est ici. Alors, donc, je me mets sur Start, c'est-à-dire, vous prenez le petit bouton là, vous le mettez sur Start, puis après, il revient automatiquement sur Run. Voilà. Et là, ça veut dire que l'APU est en phase de démarrage. Normalement, après, dans quelques secondes, on va voir un petit marqué Available là-dessus, disponible. Et puis, à ce moment-là, on pourra enclencher l'APU. Attends un petit peu, non c'est pas très long. Voilà, ça y est, on y est déjà. Donc là, maintenant, je peux déjà enclencher. Toc, toc, voilà, là, je suis sur on. Et tant qu'à faire, vu qu'on y est, alors, on peut mettre aussi la purge du gap, on peut aussi la mettre sur on, la pub lead. Voilà, c'est ce qui va permettre aussi, je pense, de démarrer les moteurs. Et puis, est-ce qu'on démarre les pompes maintenant? Je pense qu'on peut les démarrer. Ça peut être pas mal de le faire maintenant. Donc ici, voilà, moi je démarre les 16 pompes que vous avez là. Pompe à carburant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Et là, c'est démarré. Donc, les 16 pompes sont démarrées. Une fois que ça c'est fait, moi, je peux également mettre sur auto les anti-givrage du moteur. Voilà. Toc. Dégivrage du pare-brise. On verra, on mettra peut-être après. Ça, c'est des essuie-glaces. Voilà, donc pour moi, au niveau des lumières, je pense que ouais, je peux mettre déjà la balise sur activée. Voilà, donc je pense qu'on est déjà pas mal à ce stade-là. Voilà, donc hein, pour rappel, l'APU, c'est un système, alors ça ne fera pas trop, je ne sais pas exactement, un système qui est ici, hein, placé dans la queue de l'avion. Qui va permettre en fait d'avoir une certaine puissance. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, je crois qu'aussi ça consomme un petit peu d'essence. Puis ben, en fait, en gros, ça permet d'avoir de l'électricité en fait aussi dans l'avion, même moteur éteint. Voilà un petit peu ce que j'ai compris moi en tout cas à ce niveau là. C'est pour ça qu'une fois que l'APU est démarré, ben, en fait, en gros, ce que vous avez plus besoin, c'est de l'électricité. Électricité externe, il faut savoir aussi, bon bah là ça va, c'était disponible, mais il y a certains aéroports, vous n'avez même pas accès, parce qu'il n'y a pas de possibilité de brancher une alimentation externe, puis vous n'avez peut-être pas ça. C'est pour ça qu'à la base, ben voilà, il faut faire avec l'APU. Donc, vu que moi là, c'est déjà démarré, je peux éteindre l'alimentation externe, en fait. Toc, toc, parce qu'on n'en a plus besoin actuellement. Voilà, donc pour moi je suis pas trop mal. Ce que je peux faire, je crois que je peux desserrer le frein de parc et on peut faire une demande d'autorisation de repoussage parce que maintenant il va être temps de commencer à déplacer l'avion en vue du démarrage de moteur. Alors, donc moi je viens. Hop. Voilà, je fais une demande de repoussage à l'ATC. Voilà, on va devoir repousser l'avion. D'avoir
un Boeing 747 juste à côté aussi. Hein. C'est quand même vraiment sacré bête. Alors moi, j'ai fait aussi une vidéo tuto sur le Boeing 747, mais de base, hein, donc standard du jeu. Dans ma liste de vidéos, vous avez aussi ça. Là, c'est vraiment un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus intéressant peut-être de voler avec ce type d'avion, puisqu'il y a quand même un peu plus de possibilités. Donc après, voilà, libre à vous un petit peu de savoir ce que vous avez envie de faire. Hein. Faut savoir que sur l'avion de base, donc elle est disponible avec la version standard du jeu et vous pouvez carrément effectuer votre vol et puis construire votre plan de vol en fait dans le menu du jeu, ce qui permet en fait en gros de ne pas avoir besoin d'utiliser SimBrief ou ces choses là. C'est aussi plus simple, hein, en même temps, hein. Donc ça après c'est chacun voit un petit peu comment il a envie de faire. Moi j'ai utilisé pendant très longtemps l'avion standard du jeu, puis ben voilà, petit à petit avec le temps j'ai eu envie un petit peu de changer ça, et puis voilà. Alors moi je remets le frein de parc. Alors maintenant que je suis là, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Je pense que je vais faire le démarrage des moteurs tout simplement, parce que je suis là, j'ai fait un petit peu tout ce que je voulais. Donc moi je vais démarrer les moteurs. Donc pareil, hein, donc, comme sur l'avion standard du jeu, vous avez ici les démarreurs. Et puis, donc moi ce que je fais, les démarreurs 1 à 4. Et puis vous avez ici les commandes de carburant à ouvrir une fois que vous aurez les démarreurs d'enclencher. Alors moi je viens ici, donc je vais commencer pour un peu plus de roleplay, à les faire un par un. Donc je vais commencer par le moteur 4, c'est ce qui se fait apparemment d'après ce que je comprends dans la vraie vie. Donc j'appuie là-dessus, on voit que la petite tirette se met dans cette position. J'attends d'être ici à, je pense que c'est 0.4, j'attends d'être à peu près à 1. Voilà, quand je suis là, je démarre ici. J'ouvre la commande de carburant. Donc je crois qu'on entend un peu. Alors je sais pas si vous entendez bien, parce que c'est pas dit qu'on entende bien le jeu. Je vois que ça démarre. On voit juste, hein, effectivement, là, ça y est, hein, que le moteur 4 démarre. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de son, mais. Essayer de me mettre un petit peu plus fort, mais je peux monter un tout petit peu là. Voilà, j'essaie de mettre un tout petit peu plus de son. Voilà. Donc on voit, ça y est, que c'est démarré, hein. Donc on va faire maintenant la suite de même manière. Moteur 3. Donc là j'attends que ce soit environ à 1. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est en train de monter gentiment. Donc on voit qu'il se stabilise ici à peu près à 234. Voilà, ensuite on y va avec le moteur 2. Pareil, j'attends que ce soit environ moins 1. Voilà, toc.
Voilà. Bon, là, je pense que je vais pouvoir comment, voilà, démarrer le dernier moteur. Voilà, c'est parti. Toc. J'attends aussi d'être... Parce que quand vous mettez direct, je crois qu'il après il a du mal à démarrer. C'est pour ça que j'attends un peu. Voilà. C'est parti. Voilà, donc là j'ai mon copilote hein, qui discute avec la TC. Qui prend l'autorisation pour de roulage. Beaucoup de numéros, hein. Ok, donc maintenant on voit qu'ici nos moteurs sont stabilisés. Donc on va bientôt commencer la phase de roulage. Alors il nous faudra allumer les lampes. Alors on vient ici. Alors plusieurs petites choses à faire là. Donc moi avant de commencer le roulage, je vais regardez ce qu'il faut allumer. J'allume toutes les lampes. Voilà. Puis là aussi, je crois. Phare de roulage. Ici, on peut mettre ça. Voilà. Ça, c'est toute la liste des lampes. Donc, ce qui est intéressant maintenant, une fois que ça s'est fait, on peut mettre aussi le dégivrage du pare-brise. Voilà. Donc maintenant, une fois que les moteurs sont stabilisés, on peut éteindre la PU. Je crois qu'on peut aussi le prélèvement d'air moteur, on peut maintenant les mettre sur on, vu que les moteurs sont démarrés. Voilà. Et puis là, on va pouvoir directement aussi désactiver la PU. Toc, toc, se mettre ici sur off. Et voilà, ça la PU est éteint. À ce stade là, moi ce que je fais aussi, c'est que je vais armer les aérofreins. Alors c'est des fois un petit peu compliqué de le faire, j'essaie de le mettre comme ça. Ça dépend un petit peu, alors est-ce qu'il est armé ou pas. Ça y est, voilà, j'ai armé les aérofreins, je me mets un petit cran de volet, comme on a dit qu'on partirait sur un cran de volet. Ça c'est bon, on peut aussi régler le frein automatique sur RTO. Et puis moi ce que je peux faire aussi c'est au niveau du pilotage automatique, moi j'active le directeur de vol qui est ici, et puis je veux aussi activer donc pour le moment aussi la LNAV hein, donc, et la VNAV donc, pour la route et puis l'altitude. Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas activé le pilotage automatique, hein, il n'y a rien qui s'enclenchera. Mais comme ça, c'est fait d'avance. Voilà, bon, je pense qu'en tout cas, à ce stade-là, je suis pas mal. Donc, j'ai aussi peut-être des choses que je peux mettre là, qui peuvent être intéressantes. Donc là, vous avez le range. Hein. Vous pouvez effectivement zoomer ou dézoomer sur la carte. Il y a plusieurs choses. Là, je crois que les indications de la météo... ouais, ça je peux activer. Ça c'est quoi, l'écran d'information du point de cheminement, l'information d'aéroport. Alors plus vous allez mettre des choses, plus effectivement hein, sur l'écran ce sera chargé, mais ça, après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. Information de position, et puis ça c'est relief. Ok, voilà, moi je mets ça comme ça. Donc, bah voilà, moi je vais gentiment entamer la phase de roulage. On voit les petits traits bleus qui se sont mis. Alors, voilà, ça c'est bon. J'enlève le frein de parc, j'accélère un petit peu. Et on est parti.
Il y a un avion qui est un petit peu en lévitation au-dessus là-bas. Ça fait un peu bizarre, ouais. Bon, voilà, c'est des petites choses. Petit problème graphique du jeu. Ah, un avion là-bas qui atterrit aussi. Toujours, j'ai l'impression, pas mal de monde sur cet aéroport aussi. Après, je trouve que c'est un aéroport assez sympa. C'est ce que je disais aussi, hein, je viens souvent, c'est vrai, sur cet aéroport, en tout cas pour mes vidéos, parce que en même temps, ben, c'est vrai que c'est un... Voilà, c'est quand même un... c'est aussi... le jeu, hein, donc sur ma vidéo, j'ai même fait, je crois, une petite vidéo découverte, hein, sur Tourist Bus Simulator. Tourist Bus Simulator, en fait, ben, voilà, on évolue sur cette île. Donc c'est pour ça que je viens aussi assez souvent, peut-être pour mes vidéos, faire aussi faire des exemples de décoller d'ici. Alors je crois que le premier Boeing 747 qui a décollé, je crois c'est des années 70. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Hein, ça fait partie. Enfin moi je suis pas un spécialiste là-dedans, mais faut ça vous me direz si c'est juste ou pas. Mais je crois que ça fait quand même partie de ces gros avions. Je suis pas tout à fait sûr qu'il y ait plus gros que ça en fait. Hein, je sais pas s'il y a vraiment encore des plus gros avions qui existent. En tout cas pour les transports de passagers, je saurais pas dire, hein, parce que c'est vrai que bon, je suis pas du tout spécialiste de ça. J'ai pas cherché trop plus que ça, mais en tout cas, ouais, c'est un sacré oiseau. Beaucoup plus gros que les A320 et tout. Hein. Donc vraiment là pour des vols intercontinentaux. Pour faire vraiment des longues distances. On peut facilement faire 10 à 11 heures de vol d'affilée, je pense, dans un avion comme ça. En gros, je crois qu'en 10 ou 11 heures, à mon avis, on traverse la moitié de la planète avec ce truc. J'espère que le son ne vous casse pas trop les oreilles, mais je pense que ça va. Alors j'espère avoir rien oublié. On va essayer de s'aligner sur la piste le mieux possible. Alors différence par rapport à une des dernières vidéos que j'ai faites, hein, c'est la 32NX, hein, où j'ai eu beaucoup de mal à le contrôler sur la route. Celui-là est beaucoup plus facile, hein, en tout cas à contrôler. Moi j'ai eu beaucoup de mal à contrôler la 32NX sur la piste, en phase de roulage en tout cas. Tandis que celui-là est quand même beaucoup plus facile à utiliser. Alors, un QNH de 29,97. Je vais vérifier si j'y suis. Pas tout à fait. Voilà. Le transpondeur, moi je me mets sur TAERA. C'est ici. Voilà.
Et puis donc là, ça s'est déjà réglé. Je vais déjà m'aligner sur la piste et puis je pense que je m'en mettrai sur RTO en frein automatique. Je vois que c'est parti. On va faire comme ça. Toc. Allez, vas-y. Voyons. Moi, je suis pas trop occupé aussi au niveau du fuel, j'ai pas fait mes calculs et tout, je me suis mis sur 100% de carburant. On est limité en fait. Alors après ça vous pouvez soit ça c'est vous qui voyez, vous pouvez effectivement calculer aussi le carburant que vous devez embarquer dans l'avion. J'avoue que moi je me suis vraiment pas trop pas embêté, je me suis mis en fuel illimité, en 100% de carburant et puis on est limité. Le but c'est vraiment un petit peu de montrer comment on fait, enfin en tout cas de manière, pour moi en tout cas, hein, de manière complètement débutante. Là, alors, je pense être pas mal. Ouais, j'ai un petit peu de travers encore, mais on va essayer de se mettre un tout petit peu encore. Voilà, top. Ok, je mets quand même un petit coup en frein de parc. Alors ben, on voit un petit peu hein, moi comment je vais faire hein. Donc en gros je vais décoller sur la piste, puis il faudra que je revienne à droite en fait pour retrouver récupérer ma route. Donc ben, je vais faire une première phase en manuel hein, le temps quand même de monter aussi. Ensuite ben, faudra rentrer le train d'atterrissage, rentrer les volets, tout ça, puis après on pourra se mettre en pilotage automatique. Donc les passagers ont bien leur ceinture de sécurité, on est bien mis sur le transpondeur, on a bien mis l'écran de volet, on a bien armé les aérofreins. Je crois que je vais en mettre ici en frein automatique sur RTO, voilà ça c'est fait. Et puis on a toutes nos loupiottes qui sont allumées, on a les dégivrages qui sont en position quai. Bah voilà, bon, pour moi je suis bon. Alors on va y aller. Je me mets comme ça, voilà, j'aime bien me mettre un petit peu en... Voilà, pour avoir en même temps une petite vue. Voilà, comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, on est parti. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être un peu... que c'est un peu penché, ça fait un peu bizarre, mais bon. Allez, toc, on est parti. Je me mets déjà à mi-gaz, juste le temps de... prendre un tout petit peu de vitesse et puis maintenant à fond les balais. On va faire un petit peu attention de se rester sur la piste, mais c'est beaucoup plus facile avec cet avion qu'avec la 32NX hein, de rester sur la piste. Alors là, il faudra un peu plus de temps hein, pour décoller parce que c'est quand même un gros truc, un gros avion. Hop, voilà, j'essaie de rester voilà, max sur la milieu. Voilà, on voit déjà une petite option de décollage. Allez, je pense qu'on peut y aller. Voilà, ça y est, on commence, on est parti. Moi, je vais gentiment. Voilà, donc là je rentre le train d'atterrissage. On rentre les volets. Donc là je suis toujours en manuel, j'essaie de faire un peu attention aussi à ma vitesse. Je me mets en pilotage automatique. Alors est-ce que c'est bon? Voilà, ça y est, je pense qu'il a récupéré, ça y est, il va en plein sur la route. Moi je peux peut-être désarmer les aérofreins aussi.
Donc normalement je dépasserai pas les 250 en tout cas nœuds en dessous de 10 000. On monte très très rapidement, on voit. Alors je suis resté sur plan, c'est pour ça que j'avais pas le... Je me disais c'est un peu bizarre, mais en fait est-ce que j'étais resté sur plan. Voilà, donc là je suis déjà à 4000 pieds, on peut se faire une petite vue externe. Voilà. Sacrée montée, hein. Il faut une sacrée puissance pour arriver à grimper avec cette machine. Donc on voit encore l'aéroport de Fuerteventura qui est juste là-bas en bas. Et il fait beau là-bas. Alors là je suis à plus déjà de 7000 pieds, on voit qu'on dépasse pas le 250 nœuds, on est bon, donc on est bien une nav, tout ça, donc on est nickel. Donc moi je laisse pour le moment... J'espère que ça fait pas trop de bruit. Je baisse peut-être un tout petit peu le son. Voilà, ça y est, je vais déjà arriver à 10 000 pieds. Donc lui, ben, il va aligner sa vitesse. Hein. On voit d'ailleurs. Hein, donc il va déjà utiliser déjà aligner sa vitesse et puis après il va regrimper, il va continuer de grimper. On arrive encore à voir l'aéroport. On était à 12 000 pieds. Donc là, voilà, j'arrive gentiment. Alors moi, ce que je peux faire, c'est déjà aussi éteindre les phares d'atterrissage. Ça aussi. Puis là, qu'est-ce qu'on a à faire de roulage aussi. Voilà. Donc ça, on coupe les lumières. Donc là, monter à 23 000. Donc on voit que ça a grimpé relativement vite. Hein. C'est... Donc déjà à 300, plus de 330 nœuds. Donc là, on arrive encore sur une île voisine. Lanzarote, c'est un aéroport aussi qui est là. Donc là, je vous présente vraiment le, voilà, pour moi en tout cas, voilà la manière un petit peu que j'ai de démarrer et de décoller avec cet avion. Si on est un petit peu maintenant en ligne droite, si on a, on va peut-être pouvoir aussi détacher les passagers, on attend un petit peu de monter peut-être un tout petit peu plus haut encore. Donc cet avion, c'est un avion donc qui est développé, je crois pas, ouais c'est ça, ça s'appelle Salty Simulation. Et on peut le télécharger, c'est gratuitement, hein, donc depuis l'installateur, en fait, ou je sais pas si on dit installateur ou installeur de Fly-by-Wire, hein. Donc là où vous pouvez télécharger la 32NX, et bien, un petit peu plus bas, vous pouvez aussi télécharger cet avion directement depuis là. Donc c'est quand même voilà, c'est une possibilité que vous avez aussi de manière gratuite d'avoir quand même un avion. Je trouve que pour moi assez intéressant en tout cas
Et puis un petit peu plus complet, hein, évidemment, que l'avion standard du jeu. Alors après, c'est un choix, hein, c'est comme on le sent, on n'est pas obligé d'utiliser quelque chose comme ça, parce que là, ça vous demande quand même, hein, de devoir faire un plan sur SimBrief, ça vous demande de contrôler votre plan de vol. Donc c'est surtout, tout est un petit peu plus là. Il y a deux, trois petites procédures aussi en plus pour allumer l'avion. Autrement, ben, globalement, c'est vrai que en même temps, voilà, c'est un choix aussi de faire comme ça. Ça peut être intéressant si vous voulez un petit peu plus faire des plans de vol un petit peu plus réalistes, des choses que vous avez un petit peu envie de faire. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Un truc qui est pas mal aussi, hein, quand vous avez aussi votre plan de vol, notamment, bah, en fait, à un moment donné, vous avez aussi un top-off descente qui vous permet de descendre de manière automatique si vous allez à la VNAV, en fait, d'activer. Puis, c'est une manière aussi de descendre de manière plus linéaire, sans être obligé de le faire en palier, comme des fois on le fait avec, par exemple, ici, vous sélectionnez votre altitude, vous faites vitesse verticale, vous descendez, après vous redescendez de nouveau. Bon, ben là, c'est calculé dans le plan de vol. Alors, ce qu'on va faire, on va détacher les passagers, hein, on va le faire maintenant. Alors, c'est là. Voilà. Donc, moi, je propose de continuer de monter à 30 000 pieds. Donc, du coup, en fait, c'est vrai que pour calculer, enfin, pour le plan de descente, il faudra voir que. À un moment donné, ce sera marqué en fait ici, hein, donc, sur votre radar. Je suis pas sûr qu'on puisse le voir là. On va regarder, mais à mon avis, on est trop loin. Alors, on voit ici, hein, on va être à notre altitude de croisière quand on sera passé là en fait. Ouais, non, on est trop loin. Parce qu'à un moment donné, sur votre route, vous allez voir, à un moment donné, il y aura marqué T slash O. En fait, ce sera le top of descente. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est là que votre avion va commencer de descendre de manière automatique. Donc, si c'est ce qui sera, c'est ce qui aura été éventuellement préalablement calculé, donc dans votre plan de vol, hein. Et à ce moment-là, bah, en fait, si vous avez la VNAV, hein, donc qui est activée, hein, c'est ici. Ben, tout d'un coup, ben voilà, vous allez tout de suite descendre avec votre avion. Donc il faut savoir aussi que là, par exemple, moi j'ai programmé une ILS. Et c'est vrai que l'ILS, faudra penser à un moment donné à. Alors soit des fois elle est rentrée de manière automatique, ou alors faudra la rentrer vous-même. C'est dans, on avait dit, j'avais vu un Navrad. Donc ici vous avez voilà 109,9, c'est la fréquence de l'ILS. Donc après moi sur Sim Toolkit Pro je peux rentrer aussi la valeur du CRS que vous avez là. Hein. Ça vous trouvez ça aussi dans Sim Toolkit Pro. Ensuite ben le reste vous avez pas, le VOR ici vous avez pas. Moi j'ai pas Navigraph mais j'ai remarqué que j'ai pas besoin de rentrer ça. Donc où je rentre un identifiant là, il y a des fois mais je suis pas sûr que ce soit la bonne chose. Mais à partir du moment où vous avez déjà la fréquence ILS, bah lui à un moment donné il va la capter en fait. Donc après bah, ce sera aussi de faire attention au niveau des vitesses, hein, donc faire attention aussi de réduire la vitesse si vous ne pouvez pas. Si vous voyez que votre avion par exemple bah, il descend pas suffisamment vite par rapport au point que vous devriez être, bah, en fait voilà, moi je mets de l'aérofrein. Une fois que c'est fait, ben, ce qu'il faut faire après, c'est assez rapidement aussi utiliser l'écran de volet
Et puis ben ici vous pouvez régler hein, la vitesse aussi ici en fonction de ce que vous avez. Vous mettez ici votre vitesse et puis lui va automatiquement se mettre sur la vitesse que vous avez programmée ici avec l'automanette activée bien évidemment. Mais des fois il faut l'aider parce que des fois il va trop vite et puis il n'arrive pas à atteindre la vitesse. Alors c'est là qu'il faut jouer avec les aérofreins ou alors éventuellement si vous êtes suffisamment bas avec l'écran de volet. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Je pense que autrement, il y a aussi des possibilités. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Donc là, le 1 ici, voilà, l'ex. Donc là, on voit effectivement ma route. Puis là c'est dans le perfinift je crois aussi à un moment donné vous pouvez aussi régler je sais plus si c'est là, non c'est peut-être pas ici, dans VNAV, voilà VNAV, donc vous pouvez régler hein, donc c'est une fois que c'est rentré une fois vous n'avez pas besoin de le retoucher. Ça c'est intéressant parce que ça permet en fait de pas dépasser 250 nœuds à en dessous de 10 000 pieds, donc l'avion se mettra à max 250 nœuds quand il sera en dessous de 10 000 pieds. Donc on voit que voilà, hein, on a le petit arc vert ici, donc on n'est vraiment pas très loin de notre altitude de croisière. Alors normalement, je crois qu'il fait un petit bip. Quand on arrive à 1000 pieds, je crois, de l'altitude de croisière, c'est-à-dire que normalement, si j'arrive, quand je vais arriver à 35 000 pieds, il devrait faire un petit bip, logiquement. C'est pour annoncer, en fait, entre guillemets, que vous allez bientôt arriver à votre altitude sélectionnée. On voit aussi ici hein, le prochain point. Hein, trouve à 36 voilà, on a, je sais pas si vous avez, je sais pas si on a entendu en fait. Ah, je crois qu'on a entendu hein, le petit truc, un petit, une espèce de petite bip. Donc on peut se faire une petite vue externe. Donc là bah voilà quoi, on est au-dessus de l'eau hein, donc on voit les traînées hein, qui sont représentées. On entend les moteurs, vous voyez, qui commencent à baisser, ça veut dire qu'il arrive à son altitude de croisière. On voit qu'il s'aligne hein, il a commencé à baisser un peu du nez parce que je pense qu'il vient d'arriver. On va voir ça tout de suite. Donc, voilà, exactement, on est arrivé, ça y est, notre altitude de croisière à presque 300 nœuds. Hein, ça va quand même plus vite qu'avec un A320. Hein, où là, vous êtes normalement, je pense, avec un A320 à, je vois, je pense 260 nœuds, un truc comme ça. Là, on est quasi à 300. Ouais, donc c'est quand même beaucoup, voilà, nettement plus puissant. Hein. Enfin voilà, en tout cas pour moi, c'est vrai qu'on. Je trouve que pour moi c'est un avion assez plaisant. J'aime bien voler sur cet avion. Je le trouve pas trop difficile à prendre en main. En tout cas, hein, voilà. Hein, quand on. Bon, c'est clair que voilà, bon, je saute des étapes. Hein, on est d'accord, mais en tout cas pour un débutant, je trouve pas trop difficile à prendre en main. Quand on a un petit peu déjà fait des vols IFR, des plans de vol SimBrief, quand on sait un petit peu comment fonctionne l'ordinateur de bord, comment on sait comment importer un plan de vol SimBrief dedans, quand on sait après ben voilà, rajouter la CID, la STAR, les pistes de départ et pistes d'arrivée, ben c'est vrai que finalement ben, je le trouve assez facile à. Enfin voilà, je trouve pas assez facile à prendre en main.
Le pilotage automatique est assez facile aussi à faire. Donc c'est pour ça que j'aime assez bien voler, parce que bon, moi mon but, hein, c'est voilà, c'est personnel, après chacun fait comme il veut. Mon but, c'est de pouvoir quand même faire des vols quand même sur le jeu, sans non plus passer un temps fou à essayer de faire quelque chose le hyper 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 réaliste. Dans le sens où, ben voilà, moi c'est pas du tout, j'ai pas du tout les connaissances, je pense en tout cas, pour le faire. Et puis après, ben, je dis pas qu'après on pourrait continuer de le faire, et puis tout ça, mais après c'est beaucoup de temps aussi à passer, hein. Ça c'est à voir après vous, le temps que vous voulez passer sur le jeu, hein, vous avez envie, surtout le temps que vous avez à disposition. Donc, moi, voilà, j'aime bien choisir une petite alternative entre, on va dire, quelque chose de réaliste, mais en même temps quelque chose où je me prends pas trop la tête non plus pour pas non plus faire quelque chose de trop trop compliqué. Donc c'est pour ça que j'aime assez bien ce type d'avion, parce que j'ai trouvé assez bien. Puis ben finalement il est assez il reste aussi assez complet quand même, et je trouve que c'est voilà qu'il est cool en tout cas. Voilà, donc ben à vous de me dire ce que vous pensez de cet avion. Hein. Je sais que on voit peut-être pas tellement de youtubeurs ou de streamers utiliser cet avion. Donc à vous de voir un petit peu si vous avez des fois des petites commentaires à faire là-dessus. Moi je pense que je vais bientôt arrêter en tout cas la vidéo là. On se fait un petit virage à droite. Voilà, hein. Je sais pas si dans la réalité il va comme ça, mais en tout cas bon, moi j'ai fait une fois un vol d'une dizaine d'heures avec dans un Boeing 747 mais honnêtement je me souviendrai pas de savoir si ça tournait comme ça. Ah, c'est assez joli, j'aime bien cette vue là. Puis on voit aussi un petit tour, hein, quelque chose que j'ai pas fait non plus. Hein. Donc il y a quand même de l'espace. Hein. La petite chose que je fais en fin de vidéo. Bon ben pas de tablette, mais voilà. Bon en tout cas, peut-être un jour ça viendra. Hein. Voilà, je trouve pour moi bon boulot en tout cas qu'ils ont fait. Là, je vais un petit peu. Je vais durer un petit peu le plaisir. Voilà, donc ben moi sur ce je vais arrêter. Ça fait même plus d'une heure de choix que je suis en. J'ai mis la vidéo. Alors moi je vous dis en tout cas merci en tout cas à ceux qui ont regardé cette vidéo, bah, puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en tout cas de cet avion, et puis sur ce je vous dis à bientôt, à la prochaine, et puis comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, allez, ciao, bye bye.